Je m'attendais pas à aller voir Pocahontas au cinéma, moi. Maléfique Dieu, le pouvoir du mal. Titre de merde de passage, hein. Je sais plus ce que c'est le titre original et je m'en tape un petit peu, je vous cache pas mes punaises. Ce titre t'a chier, mais il reflète totalement l'état d'esprit de ce film. Hein, comme quoi, ouais, c'est ultra basique et manichéen à un stade insultant. Mais avant ça, vu que je suis pas tout à fait assez énervé tout de suite, revenons un petit peu sur le premier film que j'ai pas aimé. Alors, je vous renvoie déjà à la critique qu'on en a faite avec Oncle Buck il y a quelques temps de ça. Ça commence à faire vieux. Ah, je me sens tellement vieux, quoi. Je m'attendais pas à durer aussi longtemps sur YouTube, quoi. Et pouvoir me dire, ah, tiens, ce crossover que j'ai fait, il commence à dater, dites-moi. Mais pourtant, si. Waouh. Donc, ouais, je n'aime pas ce film en grande partie parce qu'il a le cul entre deux chaises. Et c'est un peu le problème principal du truc, quoi. Hein. La plupart des critiques que j'ai faites viennent en grande partie du principe de vouloir reprendre l'histoire originale du point de vue de Maléfique, mais en la modifiant à partir de la base de cette histoire telle qu'on la connaît dans le film animé, hein. Pas telle qu'on la connaît dans le roman, hein, enfin dans le conte, hein, non, dans le film animé. Ce qui fait que ça crée des trucs tellement cons, quoi. Si vous étiez parti sur un cas ou l'autre, ça aurait pu donner quelque chose d'excellent. Si vraiment vous étiez parti pour faire exactement la même histoire global que le film La Belle au Bois Dormant, juste du point de vue de Maléfique, et en rendant donc son passé, son histoire vraiment tragique, avec ses motivations, etc., en amenant vers la même conclusion. Ça aurait été brillant. Je vous le dis tout de suite, ça aurait été brillant. D'ailleurs, le début, j'ai trouvé que ça pouvait s'imbriquer à peu près dans l'histoire de La Belle au Bois Dormant et partir sur exactement la même chose en faisant de Maléfique une antagoniste, une anti-héroïne. Entre guillemets, une antagoniste héroïne tragique, dans le sens où elle se laisse porter par sa colère et prend de plus en plus des décisions. Et à la fin, on verrait tout ce qui se passe de son point de vue à elle, jusqu'au moment de sa mort. Et vraiment, ça aurait donné un autre regard, une autre vision au film qui aurait été excellente. Mais c'est pas ce sur quoi ils sont partis. Ils sont partis sur cette espèce de globibulga mélange où on reprend fidèlement des éléments du film de façon complètement grossière et où on fait des changements à la con qui s'imbriquent super mal avec cette base qu'on a choisie. Et pour moi, c'est un foutoir ce film. C'est un foutoir. Je le dis clairement. Et c'est pas un bon film. Mais bon, ça a connu du succès parce que, une fois de plus, les gens sont des moutons. Et je suis désolé de le dire, mais oui, vous êtes des putains de moutons, les gens. Hein, le grand public, vous êtes des moutons. Hein, on reprend une saga, une franchise qui marche bien, qui est un petit peu connue, surtout Maléfique, parce que Maléfique, voilà, c'est genre la méchante dont on parle sans arrêt. Voilà, on met un nom avec sur une franchise connue, populaire, que les gens apprécient, ça va attirer les gogoles. Et ça marche, hein, c'est le principe des remakes Disney. Je vais pas m'étendre sur les remakes Disney, je déteste les remakes Disney sur le principe. Je suis déjà étendu à fond là-dessus, je vais pas faire ça en détail. Et Maléfique, malheureusement, au lieu de faire quelque chose qui aurait pu la démarquer d'un bête remake, ça a essayé de faire un mélange où ça partait sur quelque chose de très différent en voulant vraiment rappeler cette base d'espèce de nostalgie à la con aux gens, et ça marche encore maintenant, ce truc. Et voilà, ce mélange est à chier, quoi. Vous seriez parti à fond sur quelque chose, sur une voie ou sur l'autre, ça aurait pu donner quelque chose de bon, sincèrement, mais vous avez eu le cul entre deux chaises, et c'était vraiment, vraiment naze. Cela dit, et je dis que c'était vraiment naze, j'exagère un peu le trait. Ça m'a fortement irrité. Cela dit, je reconnais quand même des qualités à ce film, hein. Je trouve pas que ce soit l'un des pires films que j'ai jamais vu ou quoi que ce soit. Et je comprends même certains points que certains fans défendent. Certains points, pas tous. Et notamment le début, moi, la métaphore du viol qui a lieu au début et cette espèce de relations entre Maléfique et Stéphane étaient très intéressantes, et puis ça a été complètement jeté aux oubliettes à la fin, mais au début c'était intéressant. Hein. Il y a des choses qui sont intéressantes, hein, je le pense sincèrement. Et nous avons donc eu suffisamment de succès pour lancer une suite, alors que le film ne ouvrait en rien du tout à ça. Genre en rien du tout, il y avait tout qui s'était réglé à peu près, et ça mettait bien en place que la paix était arrivée au royaume, etc.
Il n'y avait rien qui entamait quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit en matière de suite pour Maléfique. Et pourtant, ils en ont fait une. Pourquoi? Parce que c'est une franchise qui rapporte. Maléfique est rapporté, bien entendu qu'on va faire un Maléfique 2. Et d'après ce que j'ai compris, ça connaît un petit succès en salle en France. Non, c'est pas impossible qu'ils nous fassent un Maléfique 3, un de ces 4. Merde, donc... On a droit à ce truc-là qui partait clairement d'une idée qu'ils ont complètement forcé et ça se ressent tout le long du film. Ok, je vous préviens tout de suite, parce que je pourrais pas faire la critique autrement, ça va y avoir du spoiler, mais vraiment à fond, hein. Je vais pas me priver de vous dévoiler tout ce qui se passe dans ce film, enfin à peu près tout, hein. Je vais peut-être omettre certains trucs parce que j'ai pas que ça à foutre de prendre en compte tous les détails de ce film. Mais ouais, je vais pas me priver de dévoiler ce qui se passe pour pouvoir me plaindre goulûment de cette merde qu'est Maléfique 2. Et ça, avant qu'on vienne me gueuler en commentaire, mais alors pourquoi t'es allé le voir si t'étais pas du tout intéressé et tout, et t'attendais à ce que ce soit nul? Alors d'une part, parce que j'ai vu le premier film et j'en ai fait une critique avec Oncle Buck, donc je me sens un petit peu le besoin de suivre un peu ça, c'est pour ça que je suis allé voir ce film, hein. Et j'y vais pas juste pour leur donner de l'argent, ça me fait chier de leur avoir donné de l'argent, mais c'est un petit peu par acquis de conscience professionnelle en tant que critique que je suis allé voir ce film. Déjà, et surtout, je partais quand même du principe que ça pouvait quand même un peu agréablement me surprendre. Ça n'a pas été le cas, mais je partais du principe qu'il y avait quand même moyen que ça puisse être pas si mal que ça. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, avant de terminer, pour ceux qui voudraient quand même un avis et qui voudraient avoir un... C'est pas l'occasion de voir le film par eux-mêmes, je fais un résumé rapide. C'est très... Gamin dans l'esprit sur beaucoup de points, on force beaucoup de trucs très fantasques, très cons, on rend une situation qui n'a pas du tout à être manichéenne, ultra manichéenne, à un point où ça en devient insultant. Je veux dire, si je parle de Pocahontas au début, je vous préviens tout de suite, ce que vous allez voir, c'est Pocahontas, la version Disney, hein, je ne parle pas de l'histoire de Pocahontas, la vraie personne qui a existé, je parle du film Disney, vous allez voir Pocahontas, hein, Pocahontas en plus con. Hein, parce que Pocahontas, j'apprécie bien Pocahontas. Il y a quand même des choses qui sont un peu à redire. Là, ça les choses qui sont à redire, ça les extrapole à fond, quoi. Ça les exagère à un stade insultant, les choses qu'il y a à redire dans Pocahontas. Et ça vire la plupart des trucs qui sont bien. Hein, donc, voilà. Attendez-vous à voir du sous-Pocahontas, si vous voulez voir ce film. C'est tout ce que je peux vous dire pour résumer ça rapidement. Mais sinon, ouais, je vais vous spoiler goulûment, et je vous préviens tout de suite, à partir de maintenant, ça va être spoil, spoil, spoil. Voilà, c'est clair que ce soit bien évident pour vous, hein, spoil! Donc, l'histoire se passe autour de Aurore et Philippe, 5 ans après. Alors, je tiens à dire un truc, c'est incroyable que vous mettiez en place une romance qui a duré 5 ans, hein. Mais je pense pas que ce soit par rapport au fait que vous vouliez mettre en place que nos amoureux apprennent à se découvrir, etc. Et donc il faut le temps pour que ce lien se fasse. C'est surtout parce que vous vouliez justifier le fait que vos acteurs aient grandi. Vous dites, oui, quand même, si c'est censé être Aurore à 17-18 ans, là, je sais plus exactement l'âge qu'elle est censée avoir à la fin du premier film. 18 ans, il me semble, l'effet quand même moyennement, pareil pour Philippe, donc il s'est passé 5 ans quand même, comme ça, physiquement, ce sera cool, hein, ça passera. Voilà, donc on se passe 5 ans après, et voilà, après des tas de délires en intro qui sont complètement cons, il y a un passage complètement débile en intro, autour d'Aurore qui est censée gouverner un petit peu la lande, et au passage, elle gouverne la lande, elle n'en a rien à branler de son château et de royaume à côté, hein. Ils font leur vie, ils sont cool, on est en... Ils ont formé une république, ils élisent leur représentant, je sais pas ce qu'ils font dans leur coin, quoi. Elle a donné son château aux habitants du coin, et elle, ce qu'elle gouverne, c'est juste la lande, quoi, avec les créatures magiques qui vivent. Le reste, les autres, ils s'en foutent, quoi. Ils ont nommé un autre régent, j'en sais rien, on dit rien. Le château, tous les habitants autour, on s'en branle royalement de ce coin-là. On les cite à peine au fur et à mesure du film, quoi, ils existent. Voilà. Okay. Donc c'est juste la lande avec ses créatures magiques et donc on a une intro complètement débile pour appuyer le côté ah t'es mignon c'est enfantin autour de ce royaume de la lande où c'est la paix tout ça et donc les créatures de la forêt s'amusent en faisant on a des passages au début qui sont tellement pensés pour
Pour forcer l'aspect 3D, vous savez, parce que le film est disponible en 3D, je peux aller le voir en 3D, j'ai pas que ça à branler que de dépenser plus de fric là-dessus, mais voilà, il y a des images qui sont clairement pensées pour être de la 3D bien dans ta gueule, quoi, au tout début. Histoire de dire, regardez, on a un film en 3D! C'est complètement naze. Tellement amusé. Mais voilà, c'est nié au possible pour afficher bêtement que oui, c'est la paix dans la lande. J'aurais pu le comprendre si vous aviez sauté tout ce genre de conneries, mais il y a des tonnes de passages débiles, surtout par rapport à un certain personnage qui aura aucune importance, mais sur lequel on adorera se centrer. À la Arthur et les Minimoys, c'est une espèce de petite créature magique de la forêt, une petite créature toute mignonne, et qui se fourra dans l'histoire pour absolument que dalle. Mais on fera pas mal de scènes qui se centreront sur cette espèce de petit animal mignon à la con, quoi, parce qu'on veut vendre des peluches. Mais alors totalement, hein, il sert à rien, quoi, ça sert absolument à rien de le foutre autant en avant, de se centrer autant là-dessus, mais ouais, il y aura facilement 5 minutes de film où on mettra en avant ce petit connard-là, histoire de dire qu'il existe, alors que ça sert absolument à que dalle, mais absolument à que dalle, il est là, voilà. Enfin bon, voilà, le début c'est un tas de niaiseries débiles, pour arriver, pour juste mettre en place que la lande, ça, tout se passe bien. Après, on aura donc Philippe qui viendra pour demander sa main à Aurore et pouvoir promettre une espèce de lien de paix entre son royaume, je sais plus comment il s'appelle, et donc la lande. Et donc, oui, Aurore est toute contente, ouais, on va pouvoir se marier et tout et tout. Et nos créatures de la forêt ont un petit peu peur parce que Maléfique risque de mal le prendre. Alors, oui, c'est une blague de début d'intro, ça! Maléfique, elle n'est pas contente que sa fille, elle sorte avec un mec! Et elle le montre de façon pseudo-comique, en se mettant en mode bougon. J'espère qu'il a pas trop mal pris le fait que tu lui aies dit non, hein? Au passage, j'ai défendu Angelina Jolie dans le premier film, mais 80% du temps dans ce film, elle fait la gueule avec quasiment aucune raison, quoi. Ça, après, il faut dire qu'elle est beaucoup moins mise en avant, hein, je reconnais. Je reviendrai un peu là-dessus, mais ouais, quoi, elle est en mode « je laisse mon maquillage jouer pour moi ». Il y a des fois où elle joue tout à fait correctement, hein, mais 80% du temps, c'est « je fais la gueule, je laisse mon maquillage jouer pour moi ». Et on joue tellement sur des tonnes de conneries autour d'Angelina Jolie et du personnage de Maléfique, comme quoi elle est socialement pas très compatible, elle a du mal à sourire naturellement, à faire des phrases de politesse, tout ça, alors que c'est rien, quoi, dans le premier film, elle savait quand même un petit peu faire ce genre de choses, elle a eu une enfance où elle était un petit peu normale, Maléfique, mais non, hein, on s'en fout royalement de ça. Oui, parce que j'en parle pas trop, mais j'ai pas trop revu le premier film pour me faire une idée, hein, sur ce second film, mais il y a quand même pas mal de choses qui me donnent un petit peu l'impression qu'ils ont pas trop fait gaffe au premier film aussi, hein. C'est pas super fidèle au premier film, hein. Je sais pas trop que si vous êtes fan du premier film, quand même, vous devriez avoir des problèmes avec celui-là. Sauf si vous réfléchissez pas. Mais apparemment, oui, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas et qui se disent juste « Wow, il y a des tonnes de belles couleurs, hein, il y a de l'action et tout, il y a un message ou anti-discrimination là-dedans, hein, c'est trop fort !» Ils ont pas réfléchi plus que ça, hein, j'ai le sentiment que c'est un petit peu ça, hein, de la part des gens. Excusez-moi de vous prendre un peu d'eau pour ça, mais sérieusement, ça me gonfle que des merdes comme ça aient du succès au box-office. Je vous cache pas que ça me gonfle un petit peu, quoi. Oui, enfin bon, voilà, Maléfique est en mode bougonne, mère surprotectrice, alors qu'elle n'était pas tout à fait comme ça dans le premier film. Dans le premier film, à la fin, elle était partante pour que sa fille puisse être avec un mec. D'ailleurs, ça la faisait pas autant tiquer que ça qu'elle fraternise un petit peu Aurore avec Philippe, les rares moments, le petit moment rapide où on l'a vu, quoi. Mais là, vraiment, elle est du genre, oui, je vais pas abandonner ma fille, je vais pas la lâcher. C'est traité à moitié en gag, à moitié sérieusement, c'est de la merde, ça. En tout cas, ouais, Aurore et Philippe s'apprêtent à se marier, ce qui promet une alliance un peu pacifique entre les deux régions. Seulement, il y a un petit problème, c'est que Maléfique est toujours considérée comme quelque chose, comme un être diabolique, et elle est vraiment mal vue par la population. Donc même quand Philippe essaye de défendre un petit peu le personnage Maléfique à ses parents pour leur présenter sa future mariée, eh ben, il y a un petit peu ce problème-là chez les gens, quoi. Surtout lorsqu'elle est invitée pour un petit dîner, etc., pour un petit peu se présenter entre parents des futurs mariés, enfin, responsables des futurs mariés, et ouais, il va y avoir pas mal de trucs comme ça, mais au bout d'un moment, ça finira par éclater,
Et ça va être un petit peu le conflit entre Maléfique et enfin plutôt la lande tout entière et donc la reine, parce que ouais, c'est vraiment la reine du château qui en veut totalement à Maléfique pour une raison que j'expliquerai parce que c'est super con et super basique. Et donc ça va être un conflit entre deux camps qui se comprendront pas en se demandant oh est-ce qu'ils pourront avoir la paix à la fin, et ils l'auront, hein, mais de façon totalement insultante, j'y viendrai aussi. Donc voilà, déjà la mise en scène et la mise en place est très classique, très basique, elle ne cherche pas à aller très loin. Et globalement, dans la mise en scène, dans la façon dont les choses sont amenées, c'est insultant. C'est clairement insultant. Alors, j'ai énormément de notes là-dessus, je vais essayer de ne pas oublier la plupart des choses que j'ai envie de dire. Bon, car quoi je vais commencer, moi? Je vais aller la reine. Alors on va parler de la reine, il y a beaucoup de trucs autour de la reine Ingrid, jouée par Michelle Pfeiffer dans un de ses pires rôles, je trouve. Alors après, essaye de s'y donner un petit peu, mais ce personnage est tellement unidimensionnel que c'en est presque un gag. Pour moi, c'en est presque un gag. On essaye de lui donner des motivations à la fin, histoire de dire que, ah, fut un temps, on a voulu faire la paix avec les gars de la lande et il y a son frère qui allait y aller, mais il a été tué pour on ne sait quelle raison, par je ne sais qui, mais voilà, une créature magique l'a tué, et elle s'est dit, ah, le pacifisme, c'est nul, il faut qu'on empêche ça, et donc maintenant, la seule solution, c'est la guerre. Hein, il n'y a que cette façon-là de s'asseoir et de ne pas avoir de problème, c'est de leur faire la guerre. Et c'est tout, hein. C'est ultra basique, une vengeance de merde. Et au bout du compte, la façon dont elle met ça en place, dont elle jubile de toutes ses actions à la con pour évincer son mari et prendre un peu la tête du pouvoir, etc., arranger les choses, un peu manipuler les choses pour amener à ce conflit, ça fait tellement vilain. Vous savez, le vilain avec les moustaches qui se tortillent et qui se marre en saucissonnant une fille sur les rames d'un train. Presque ça! C'est à peu de choses près, c'est ça, quoi. Tellement elle est unidimensionnelle dans ses motivations. Oh, tu veux la guerre parce que je suis méchant? Elle est tellement naze. Il y a tellement de trucs qui sont pourris autour d'elle. Punaise, j'ai tellement de trucs à dire. Alors, un truc qu'elle fait pour faire en sorte que son mari se fasse empoisonner par sortilège et qu'on accuse Maléfique pour ça, c'est qu'elle utilise le rouet qui a maudit Aurore dans le premier film pour la rendre endormie et seul un baiser d'amour la délivrera. Alors, ce rouet existe encore. Elle a réussi à mettre la main dessus, on ne sait pas comment, et apparemment. Maléfique n'a pas pensé une seule seconde à s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Personne ne s'est dit, ah tiens, ce fameux rouet! Alors que tous les autres rouets ont été détruits, hein, en ce qui me concerne, la dernière nouvelle, il me semble que c'était ça. Celui-là, on va le garder, on sait jamais. Hein, j'ai envie de garder un souvenir du moment où j'ai failli rester endormi à vie. Hein, ça me fait plaisir. Ben, ils ont gardé ça dans le château. Maléfique n'a pas pensé une seule seconde que ce serait pas plus mal de le détruire. Personne n'a pensé que ce serait pas plus mal de garder ça, d'empêcher qu'on mette la main dessus. Non, 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 non. Elle a réussi à mettre la main dessus comme ça. Et même en partant du principe que les gens soient cons à ce niveau-là, c'est pas du tout ça les termes de la malédiction. Le truc, la malédiction qu'elle a lancée, Maléfique, c'était que Aurore se fasse piquer par un rouet et qu'elle soit maudite après. Après, c'est bon quoi. Je pense que ce rouet devrait soit cesser d'exister, soit ne plus être maudit du tout. C'était juste pour Aurore que c'était prévu. C'était pas pour la première personne, pour le premier pecno qui serait piqué par ça. C'est une facilité de merde. C'est une des nombreuses facilités de merde qu'il y a là-dedans, putain. Une autre facilité de merde qui sert absolument à rien, c'est à part pour créer un peu plus d'enjeux, j'ai l'impression, même s'il n'y a pas besoin de faire ça, c'est que à un moment donné, quoi, elle fait faire des recherches sur les trucs de la forêt enchantée, enfin de la lande, pour combattre ces créatures magiques qui sont le mal, notre ennemi, tout ça, et
Y a un mec. Alors, le mec en question découvrira plus tard qu'en fait, c'est une fée à qui elle a coupé les ailes et qu'elle a conditionné pour travailler pour elle en croyant qu'il est humain et en rejetant, en reniant sa race, etc. C'est pas mal comme concept et ce sera totalement expédié la résolution. Il suffit qu'Howard lui fasse un petit discours rapide en disant: Ah, mais vous êtes une fée, vous devez lutter pour vos semblables, et après, ça le fera cogiter une petite seconde là, un peu plus tard, et il se dira: Ah, ouais, ok, je suis avec vous. Alors que ce mec, quand même, a activement participé aux armes qui auront fait du mal à énormément de créatures de la forêt, mais il n'y a aucun problème. Il a juste été manipulé, le pauvre. Hein. Il n'a rien à se faire racheter, a rien à se reprocher, etc. Hein. Il a absolument rien à expier, ce type. Donc, ce mec en question, avec des recherches scientifico-alchimiques au mon cul, a réussi à créer une espèce de trompette à. Fée. Alors, la trompette, hein, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'espèce de truc qui tue les toons dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Il a créé une trompette à fée à partir de fer, puisque les fées craignent le fer. Alors moi je pensais que c'était seulement maléfique en tant que fée noire, etc. et seulement les fées en question, mais quand ils disent fée, en fait, c'est toutes les créatures de la forêt. C'est-à-dire les arbres vivants, etc., les espèces de feuilles en question, etc. Tout ça, c'est des fées. Tous ces trucs-là, c'est des fées. Toutes les créatures de la lande, c'est des fées, en fait. C'est un terme ultra générique qui global, qui englobe tout le monde. C'est très con, je trouve. Bref, ce truc, via une espèce de pétale de fleur de fée là, qu'on invente clairement au tout début pour les besoins scénaristiques, et donc en mélangeant ça au fer, ça crée cette espèce de poudre, donc trempette pour fées, qui les retransforme en l'objet, la chose qu'il devrait être au départ, c'est-à-dire soit un arbre, une fleur, etc. Et ouais, ça sort absolument de nulle part. C'est du truc muchacon pour ajouter un petit peu plus de drame, alors qu'il n'y avait pas besoin de faire ça. Bon, vous savez que les fées craignent le fer, c'est bien indiqué depuis le début. Il n'y a pas besoin de monter les enchères par rapport à ça. Vous pouviez juste faire en sorte de faire des trucs en fer, faire des armures, etc., comme vous l'avez fait au début lors du combat contre Maléfique. Ça suffisait largement à rendre le truc. Particulièrement dangereux pour nos créatures de la forêt, tout ça, tout ça. Non, 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 il faut qu'on insiste là-dessus. Mais voilà, c'est forcé pour hausser le drame, entre guillemets, et c'est juste une excuse pour mettre un petit peu en avant, comme je l'ai dit, notre espèce de mascotte mignonne de la con. Parce que voilà, il sera capturé, il assistera à ça. Alors que bon, il n'y a pas besoin d'avoir cette espèce de créature à laquelle on est censé s'identifier pour comprendre les enjeux là-dedans. La mise en scène est à chier, vraiment la mise en scène est à chier, le nombre de trucs forcés c'est incroyable. À ce niveau-là, on a également un gros morceau avec le peuple des fées noires. Alors, Maléfique n'est pas la seule fée noire qui existe. Il en existe d'autres, tout un peuple qui vivent dans des nuages, je sais pas trop où exactement, quoi, reclus parce qu'ils ont peur des humains qui s'en prennent à eux et tout ça, tout ça. Et elle n'en a jamais entendu parler. À un moment donné, quoi, lorsque on lui fait porter le chapeau pour ce qui arrive au roi, elle décide de se barrer et il y a l'assistante de la reine. J'en parlerai de cette fille parce qu'elle me fait un peu craquer celle-là. L'assistante de la reine qui la blesse et elle se fait sauver rapidement par un des représentants du peuple de ces fées noires. Tandis qu'au passage, le gars, quoi, enfin l'assistante, ne se dit pas: Tiens, et si j'essayais de la battre lui aussi, il est peut-être trop loin, j'imagine, c'est pas impossible. Enfin bon. Voilà quoi, ils font savoir leur présence maintenant, parce que maintenant c'est la guerre pour eux. Ah, ces humains nous ont trop martyrisés jusqu'à présent. Il faut qu'on riposte, qu'on s'en prenne à eux avant qu'ils nous déciment. Tandis qu'il y en a un qui veut être pacifique et se dire: Ouais, il y a moyen d'avoir la paix avec eux. Tu nous l'as prouvé en étant ami avec une humaine et en faisant d'elle la reine de la lande. Peut-être que tu pourrais arriver à être le pont entre nous et la paix pour les humains, etc. Et elle sert à rien, ce niveau-là. C'est pas elle qui apportera particulièrement la paix. Bien entendu, elle participera au combat et elle aura un peu d'importance, mais elle apportera pas du tout la paix. Mais genre pas du tout. Et pourtant, on insiste un petit peu là-dessus. Pour rien. Et ça fait poser tellement de questions, cette merde. Mais alors, tellement de questions. Comment ça se fait que ces connards se soient manifestés que maintenant?
Genre, ça fait 5 ans, 5 putains d'années que c'est passé la fin du film, hein, la fin du premier film. En 5 ans, personne n'a pensé à se dire, tiens, et si on allait discuter avec cette maléfique? Si on allait voir si elle était de notre avis pour soit combattre un peu les humains, parce qu'apparemment elle n'est pas contente que les humains viennent se mettre sur ces terres et s'en prendre un petit peu à ces créatures. Voilà, c'est totalement compréhensible. Personne s'est venu vers elle pour lui en parler. Et il n'y a pas le mec pacifique qui se dit, tiens, ça fait 5 ans qu'elle est là, ce serait cool d'instiguer quelque chose avec elle. Non, non, c'est que quand elle se fait blesser dans une situation où il y a, où le mal est fait presque, hein, qui se dit peut-être que là, je vais essayer de lui parler. Tu ne pouvais pas faire ça un petit peu plus tôt durant les 5 ans précédents. C'est... Oh. Pourquoi Maléfique n'a jamais entendu parler d'eux d'ailleurs? Je veux dire, elle a bien eu des parents. Et je ne sais pas comment elle est née, je ne sais même plus exactement s'il le précise de façon claire, exactement comment elle a grandi. Si ça se trouve, c'est en grande contradiction avec ce que présente ce film. Ça ne me surprendrait pas une seule seconde. Pourquoi elle a jamais entendu parler d'eux? Ils sortent de nulle part, ces connards, pour faire une espèce de film de parallèle à la con à la Pocahontas. Parce que c'est clair et net, c'est trop ça, quoi. Les faits noirs, ça représente les indigènes qui vivent là, qui sont en paix avec la nature. Et puis les humains, ça représente les sales profiteurs qui veulent profiter de nos terres et qui n'hésitent pas à user de la violence. Il faut savoir faire la paix, poser la paix entre eux, etc., etc. C'est exactement ça, quoi. On force tellement ce trait à un stade où ça en devient ridicule. Et c'est tellement forcé, cette espèce de structures similaires, étant donné que ce peuple sort de nulle part, étant donné qu'on met en place tellement de conneries pour forcer le drame, pour mettre en avant ces conflits, etc. Essayer d'instaurer un pseudo dilemme dans la tête de Maléfique. Est-ce que je suis du côté des humains ou pas? Je sais pas trop. Pour qu'au final tout se règle via une espèce de grand combat final entre les fées noires et... les humains, quoi, hein, tandis que les fées noires attaquent leur château. Et je reconnais qu'en termes de qualité de production, ça passe, ça va. J'ai vu mieux, hein, j'ai vu largement plus prenant, etc. Mais ça se regarde. Voilà, si c'est juste pour avoir un peu d'action, un peu fun, un peu forte, etc. Avec un peu de tension, ça fait un peu le taf. Après, moi, c'est cette seule tendance à prendre en compte le contexte de la chose aussi, hein, et l'histoire autour, hein. Ça joue un petit peu beaucoup pour mon appréciation. Et ouais, c'est amené n'importe comment et de façon forcée sur un point. Et à la fin, ça se réglera, hein, puisque je parle tout de suite, comme je l'ai dit, un spoiler, hein, je vous dévoile tout, sur tout le monde qui se battra un petit peu dans son coin, et Philippe et Aurore qui feront des petits discours dans leur coin, mais rapidement, des petites actions ci là pour dire, ah, c'est pas bien de se battre, il faut aller en paix, je veux faire en sorte que ce soit pacifique entre nous, et ils convainquent tous les gens, à force de parler un petit peu avec quelques-uns d'entre eux, quoi. Parce que, au bout du compte, la seule méchante, la seule personne qui a à reprendre là-dedans, c'est la méchante reine. C'est tout, c'est la méchante reine Ingrid. Les autres sont des pauvres gars qui sont manipulés par les choses. Et on l'appuie de façon tellement foireuse à certains moments. À un moment donné, on explique que la raison pour laquelle Maléfique est toujours mal vue du peuple, en dépit du fait qu'elle a effectué des bonnes actions, etc. Alors, ça aussi, c'est un truc sur lequel j'aimerais presque revenir un petit peu, hein, et parenthèse rapide, elle n'a pas fait que des bonnes actions, Maléfique, hein. Pendant une longue partie du temps, elle a été malfaisante, elle a maudit une enfant et elle a tué un roi. Même si le roi avait complètement viré Zinzin, c'est normal qu'elle soit mal perçue par rapport à ça. Mais non! Non, non, c'est pas par rapport à ça qu'elle est mal perçue, hein. Parce que voilà, elle est censée avoir fait des bons actes, et si on laissait passer les vraies nouvelles, les vraies infos, les gens ne seraient pas aussi méfiants d'elle et n'auraient pas peur d'elle. Ce qui fait que il y a une mauvaise... légende autour d'elle, une mauvaise histoire autour d'elle, les gens croient qu'elle est malfaisante, c'est que la méchante reine Ingrid a fait passer ses rumeurs comme quoi elle était maléfique. Maléfique. Il faut être plus, hein, il faut vraiment être con pour appeler sa fille comme ça. C'est ça, quoi. C'est elle qui est responsable de tout. De tous les sales trucs qui se passent, etc. C'est ses décisions à elle, parce qu'elle n'aime pas la paix.
C'est la grande méchante qui a fait en sorte que de monter tout le monde les uns contre les autres parce qu'elle n'aime pas la paix. C'est ça le truc, c'est ça le conflit. Parce qu'il n'y a aucun besoin de nuance et de subtilité. On aurait pu mettre en place une situation complexe où on comprendrait la rage des uns et la rage des autres, mais au bout du compte, c'est juste une méchante qui a manipulé ces pauvres gens. Et une fois qu'on leur fait rapidement comprendre, il y a des petits discours, des petits actes comme ça, et ben les gens se disent « Ah ok, en fait c'est mal de se battre, il faut faire la paix !» Et pas de problème. C'est du foutage de gueule, c'est du plus gros foutage de gueule que le discours pourri de Kiara dans Le Roi Lion 2. Et je suis désolé, c'est un discours pourri dans Le Roi Lion 2. Mais là, c'est encore pire, c'est trois crans au-dessus, tellement c'est du foutage de gueule, cette résolution de merde. Donc ouais, c'est juste la grande méchante qu'il faut empêcher, avec ses mensonges et tout, parce que la vie est simple comme ça. Elle est donc confrontée à un maléfique qui prend part au combat, et il y a un passage super mal foutu entre elle et Ingrid, où elle se vante un petit peu. Ingrid, ah, j'ai gagné maintenant, vous serez mal vu par tout le monde. Elle, il y a Aurore qui essaye un petit peu d'empêcher sa marraine de trop s'énerver, et c'est là que Ingrid se décide à décocher une flèche de trempette pour fée, sur Aurore, et donc plutôt que simplement la pousser bêtement, Maléfique, ce qui serait beaucoup plus rapide, elle décide de se retourner pour prendre la flèche dans le dos à sa place. Oui, tu aurais pu tout simplement te déplacer sur le côté, hein, ça aurait marché tout aussi bien et ça aurait évité de te faire tuer. Mais bon, hein, drame, drame. Elle finit donc par être réduite en cendres. Et devinez ce qui se passe. Devinez la chose qui m'a fait rager et qui m'a fait lutter avec moi-même pour éviter de gueuler dans la salle de cinéma. Devinez ce qui se passe! L'alarme magique d'Aurore a ressuscité! Ouais! Putain de mes couilles! Vous arrivez à faire presque pire que réponse à ce niveau-là, bordel de merde! Et au moins, réponse, on peut voir une vague symbolique, etc. Là, oh, parce qu'il y a des gens qui vont me rétorquer, mais attends, attends, c'est pas seulement l'alarme, c'est parce que, en fait, Maléfique est la réincarnation d'un phénix. Et pourquoi je sais ça? Parce que ça a été rapidement balancé 30 secondes dans le film. Genre, ça vient de nulle part, il y a le mec, la fée noire pacifique, qui lui dit « Tiens, au fait, Maléfique, voilà une représentation du phénix, on sait que vous êtes la descendante du phénix, c'est pour ça que vous avez au pouvoir magique, etc. » 30 secondes 30 secondes de film, ça nous est balancé comme ça, et ça va justifier le fait qu'elle puisse renaître de ses cendres. Avec des larmes magiques, hein, parce qu'on insiste bien sur le fait que c'est la magie de ses larmes qui lui permet de renaître de ses cendres, ça on voit quand même, hein. Bref, suite à ça, elle renaît en phénix, Maléfique, parce que, ouais, Maléfique transformé en dragon, c'est jamais, hein, ça n'arrivera jamais, on la verra jamais transformée en dragon, Maléfique, et elle arrivera donc à se défaire, etc. Ingrid essaiera de se barrer, mais elle sera capturée, tout le monde fera la paix en deux temps, trois mouvements, mon cul, et même la méchante, quoi. J'arrive pas à croire que ça me fasse reconsidérer autant en bien, autant relativiser le premier film, mais merde, la fin de Stéphane, il était plus satisfaisante que ça, alors que je trouvais la fin de Stéphane super frustrante. Mais au moins, en dépit du fait que on appuie à peine le lien entre Stéphane et Maléfique et que ça aille vite sa mort, au moins on rendait ça un peu dramatique et tragique, au moins on rendait ça grave. Histoire de dire, ouais, quoi, il y a quelque chose qui se passe, il y a un suspense, et le mec se laisse un petit peu emporter par sa folie au bout du compte, vous voyez, il y a un petit quelque chose qui se ressent malgré tout, malgré le fait que ce soit une grande occasion manquée de faire quelque chose de beaucoup plus fort et tragique que ça, hein, ça reste une insulte, ce passage-là, mais c'est acceptable, ce passage, en comparaison à la merde qu'on nous fait pour Ingrid, puisque
C'est une fin à la Disney Toon. Là, je vous garde la surprise, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, mais c'est une fin à la Disney Toon. Hein, complètement débile et gaguesque pourri à rire. Putain. Là, j'essaye de voir un petit peu ce qui me manque. Je crois que j'ai fait plus ou moins tout. Ouais, bon, il y a d'autres trucs qui me posent problème, mais si, une fois de plus, je devais aller à fond dans ce qui passe pas. Ce film est tellement insultant. Et en toute sincérité, je le dis tout de suite, ça se fera en critique, hein. En critique au détail pour moi, d'une façon ou d'une autre. Hein. Soit on remet le couvert avec Oncle Buck pour refaire une critique, j'ai pas encore discuté de ça avec lui, donc si ça se trouve il pourra pas. Hein. Soit je fais ça avec quelqu'un d'autre, soit ce sera fait sur ma chaîne en Disneyfield un peu spécial, je ferai une critique de cette merde. Je dis clairement. Et limite, ce truc est tellement con, je peux un peu envisager qu'on voit ça comme un nanar. Parce qu'il y a une autre scène dont je veux parler rapidement. Et c'est, je pense, la scène à m'avoir le plus fait rire de façon accidentelle, non intentionnelle, tellement elle était ridicule. Mais vraiment, ça appuie de façon totalement claire à quel point les gens qui ont fait ce film sont des branques pas foutues de réfléchir une seule seconde à ce qu'ils mettent en place. Donc, ouais, il y a un moment donné, quoi, pour le mariage d'Aurore. Il y a Ingrid qui décide d'inviter toutes les créatures de la lande en plus de tout le monde, parce que voilà, quoi, ils ont décidé de se marier, Aurore et Philippe, sans réfléchir plus que ça au fait que Maléfique s'est barrée, on la retrouve pas. Ils se disent pas, tiens, ce serait peut-être pas plus mal qu'on reporte ça un peu plus tard, histoire de dire, non, 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 hein, on suit les conseils d'Ingrid, on est des gros moutons, on laisse faire, on se marie, et donc on invite toutes les créatures de la lande qui s'y rendent joyeusement, sans douter de rien. Parce que c'est un piège, hein, au passage, hein, c'est un piège pour les tuer tous ensemble et les gazer avec de la trempette une fois de plus, et gazer à l'intérieur de la salle de mariage. Hein, voilà, ils s'y rendent tous bêtement sans se douter d'absolument rien, alors que juste avant, il y a quand même Maléfique qui a mal vécu sa rencontre avec les autres et qui est quand même mal vue par tout le monde, même par Aurore, quoi. Donc elle a été manipulée de façon à ce qu'il y ait quand même un début de conflit assez fort entre la lande et les humains qui se forment, mais tout le monde s'en branle, tout le monde y va joyeusement parce que voilà, bon, Aurore et Philippe se marient, on se doute de rien. Même Tiaval, qui a assisté à ça, qui se rend bien compte qu'il y a de l'eau dans le gaz avec ce qui vient de se passer, se dit, ok, bon, je m'y rends, y a pas de problème. Et il a un peu de chance parce que bien un autre truc muche magique forçage scénaristique, il n'est pas perçu comme une créature de la forêt puisqu'il est sous sa forme humaine et il peut pas en sortir là. Il n'est pas invité à la salle de mariage, quoi, au bal avec les autres, donc il échappe un petit peu à ça. Mais voilà, ils y vont tous, le sourire aux lèvres, sans réfléchir une seule seconde à ce qui vient de se passer et à la tension qu'il peut y avoir. D'ailleurs, les humains aussi, quoi. Je veux dire, les humains ont seulement peur de Maléfique, semble-t-il. Mais quand il y a toutes les créatures de la forêt qui arrivent, ils battent pas d'un cil, ils disent « Ok, entrez, vous passez en même temps que nous ». C'est comme si on avait dit aux gens, marchez comme s'il n'y avait rien à côté de vous, voilà. On rajoutera ça en image de synthèse, mais faites comme s'il n'y avait rien à côté de vous, quoi. Presque, tellement les gens ont l'air d'en avoir complètement rien à battre de ces personnages qui sont là. Mais bon, le truc qui m'aura fait marrer, parce que bon, on y vient un petit peu, c'est que tout le monde se retrouve donc dans la salle de mariage. On fait des gags débiles un petit peu autour des trois fées. Oui, les trois fées sont encore là et je vais avouer un truc, par rapport au premier film, elles sont moins insupportables. Mais bon, il fallait le faire. Il fallait le faire pour les rendre plus insupportables que dans le premier film. Vous les avez un peu réduit leur côté insupportable, même si elles sont vraiment pas fameuses, hein, pas intéressantes du tout, mais voilà quoi. Elles sont là, quoi, et ils commencent à se faire piéger avec l'assistante de la reine. Qui est... Alors, on insiste un tout petit peu sur ce personnage, il apparaît à plusieurs reprises, voir que c'est vraiment le bras droit, celle qui la suit complètement, on ne sait pas pourquoi, et c'est juste comme ça, voilà, et donc c'est le seul qui est présent avec son orgue pour balancer donc cette espèce de poudre anti-fée, cette poudre trempette, pour buter tout le monde, voilà, le peuple de la forêt, le peuple de la lande. Ok, alors déjà la mise en scène est assez grosse là-dessus, et l'actrice, pardon, en fait tellement des caisses, chaque fois qu'elle joue une note, oh, je fais de l'art pendant que j'en fume ces gens, j'ai retenu de me marrer pendant ce temps-là, parce que
Alors, c'est le côté nanar là-dessus. Si vous êtes du genre à pouvoir apprécier facilement un film qui peut être tellement mauvais qu'il en devient drôle, je peux comprendre que vous puissiez apprécier celui-là. Hein, parce qu'il y a matière. Hein. Ça n'a jamais été particulièrement mon truc, les nanars. Quand un film est mauvais, pour moi, et souvent il est juste mauvais, c'est rare qu'il soit mauvais à en devenir drôle. Mais je peux comprendre, parce que ce passage-là où cette actrice en fait des caisses, je vous jure, ça m'a fait craquer. Hein. C'était tellement con. Bon, point positif tout de même. Il y a 2-3 passages que j'ai trouvé pas trop mal, vraiment. Alors déjà, un truc que j'ai un peu à saluer dans ce film, que je trouve intéressant, même si dans l'exécution, c'est pas si sensationnel que ça, c'est qu'on a vraiment donné de l'importance à Aurore et Philippe. Ils sont pas là pour faire tapisserie, histoire de dire qu'ils existent. Ils jouent un rôle important, ils sont pris dans les événements, ils essayent d'être proactifs dans ce qui leur arrive, même s'il y a des moments où ça va un peu trop vite. Certaines résolutions qui sont trop vite, mais moi, c'est l'écriture globale, hein, c'est pas trop les personnages. Et ils en sortent comme étant un peu basiques. Voilà, hein, c'est pas non plus sensationnel, les acteurs sont pas extraordinaire, mais ils font passer acceptablement les quelques drames, les quelques dilemmes dans lesquels ils sont pris. J'avoue que je les ai un tout petit peu appréciés durant le film, quoi. J'ai apprécié le fait qu'on veuille les développer un petit peu, qu'on veuille développer un petit peu les responsabilités d'Aurore et de Philippe par rapport au peuple qu'ils représentent et qu'ils essayent vraiment d'afficher vraiment le pont entre eux. Alors, entre les deux peuples, j'avoue qu'ils ont fait ça acceptablement. Et en termes de personnalité, ils passent, ils sont basiques, comme je l'ai dit, mais c'est pas mauvais, c'est pas du basique mauvais, c'est du basique acceptable. Voilà, donc j'apprécie ça. Il y a la scène Shrek 2 que j'ai appréciée. Si vous voyez pas de quoi je parlais, c'est la scène à table où donc Maléfique rencontre les parents de Philippe et où donc il y a cette tension où Ingrid jette des piques à Maléfique, Maléfique jette des piques à Ingrid, etc. On ressentait un petit peu cette ambiance à la Shrek 2 lors du dîner entre Shrek et les parents de Fiona. Il y avait un petit peu ce côté-là qui se ressentait. Il y avait quelques petits moments de comédie et de tension, de vieux dossiers qu'on sort qui passaient bien, quoi. C'est le seul moment dans le film où on mentionne Stéphane, cette scène, quoi, hein, cette scène du banquet, du repas. Le reste, on fait comme s'il n'existait pas et comme si les gens n'en avaient rien à foutre de lui, mais au moins, c'est bien d'appuyer un petit peu ça, d'appuyer ce que fait Maléfique et de la brosser vraiment dans le mauvais sens du poil de la part d'Ingrid. C'est le seul moment où j'ai apprécié ce méchant, je ne le cache pas. Ce moment-là était pas mal, et sinon, il y a un passage de rappel au premier film qui était plutôt subtil, plutôt discret à la fin, que j'ai trouvé assez mignon, parce que ça jouait sur un truc qui s'est passé avant. Je vous garde la surprise pour ça, parce que voilà, pour moi c'est un peu la seule chose qu'il est agréablement plaisant de découvrir dans ce film. Et sinon, c'est tout, quoi. Je veux dire, le niveau de production, il est pas mal. Hein, l'action est bien filmée. L'échelle des combats, tout ça, c'est tout à fait satisfaisant. Rien de transcendant, mais satisfaisant. On sent qu'ils ont géré leur budget en termes techniques acceptablement. Si ça vous suffit, hein, c'est clairement pas moi, mais si ça vous suffit, tant mieux pour vous. Mais globalement, ouais, l'histoire est écrite avec le cul et vraiment, ça regorge de conneries, de trucs qui sont fourrés rapidement n'importe comment. C'est un film nul. Clairement, en dessous du premier, je le dis. Après, ce qui m'énerve autant que le premier, à part pour la fameuse scène du phénix qui est complètement débile, amenée avec le cul, je vous cache pas que c'était plus du risiblement con que du con irritant. Je veux dire, c'était plus du genre « Ah, vraiment !» La plupart du temps. Alors que les points qui m'ont déplu dans le premier Maléfique, c'était plutôt du genre « Ah, vraiment !» Voilà, si vous comprenez la nuance. Mais bon, il y avait beaucoup plus de points discutables dans Maléfique 2 que dans Maléfique 1. Ce qui fait que, ouais, non, je peux pas dire une seule seconde que c'est mieux que Maléfique 1. Hein, c'est de la merde, ce film. Et ouais, il est plutôt bien reçu. En tout cas, à l'heure où j'ai regardé les résultats du film sur Allociné, il était plutôt bien reçu en salle en France. Mais c'est les premiers jours. Peut-être que ça va retomber vu la qualité du truc. C'est tout ce que j'espère parce qu'il mérite vraiment, vraiment pas
d'avoir du succès ce film, encore moins que le premier. Mais sait-on jamais, à nouveau le grand public, j'ai du mal à suivre leur mentalité des fois, hein. En tout cas, je sais pas trop quoi. Je vous conseille pas ce film, clairement pas. Sauf si vous êtes du genre à apprécier les nanars, les films bien cons qui vous font vous dire à plusieurs moments, mais what the fuck, c'est n'importe quoi, et au point de vous en moquer. Limite, peut-être que ça devrait vous plaire. Mais si vraiment vous recherchez une histoire un tant soit peu réfléchie, bien amenée, bien pensée, c'est pas ce que vous aurez, hein. Vous aurez du foutage de gueule, hein. Si tant est que vous preniez le temps de réfléchir un petit peu au scénario qu'on vous présente. Hein, si vous réfléchissez pas et que vous suivez juste ce qui vous passe devant les yeux, je suis sûr que vous apprécierez à peu près tout et n'importe quoi tant que c'est pas fait avec le cul totalement. Mais si vous êtes du genre un tant soit peu réfléchir, ce film il sera pas bien pour vous. Hein, il sera peut-être risible, hein, d'un point de vue nanar, peut-être, mais il sera pas bien pour vous. Tout ce que j'ai à dire. Voilà! Ah, je sens qu'il y a certaines femmes qui vont mal le prendre, mais vraiment, je vous comprends pas une seconde. Autant j'arrive à vous comprendre un petit peu avec Maléfique, vraiment, hein, quand vous dites que vous aimez Maléfique, mais là je vous comprends pas une seule putain de seconde, hein, si vous me dites que vous aimez sincèrement ce film. Voilà. À bientôt! Au revoir!